Et bonjour, donc nous voici pour un nouveau grand classique. Ce coup-ci, on a choisi un collector. Alors, les collectors sont des thèmes qui sont vraiment, vraiment des grands classiques. Il en existe bien évidemment plein, des dizaines et des dizaines et des dizaines. Mais j'ai choisi celui-là parce qu'il est visuel, rapide et surtout, il a un très beau final. Donc, c'est un de mes préférés, donc c'est pour ça que j'ai choisi ça. Allez, avant de commencer, je vais avoir besoin de 4 cartes. Alors, ces 4 cartes, je vous les montrerai ce que c'est par la suite, je les laisse ici. Et d'un jeu de cartes, bien évidemment 52 cartes. Enfin, moins que 52, puisque là j'en ai sorti 4. Bien sûr, toutes différentes, et je vous rappelle que tous ces tours qu'on vous montre, qui sont en téléchargement, les grands classiques, ce sont avec des jeux ordinaires, d'accord? Donc c'est l'intérêt de ces tours. Une fois que c'est mélangé, Thierry, je vais te demander de choisir 3 cartes. Alors, normalement, on fait ça à 3 spectateurs, mais comme on n'est que 2, tu vas choisir 3 cartes. C'est parti. Allez. Donc, tu vas jouer le rôle de 3 spectateurs. La première, la deuxième et la troisième. Ces 3 cartes, je vais te les montrer. Donc, tu vas tâcher de les retenir. Donc, j'ai la première. Oui. D'accord. J'ai la seconde. 9 de cœur, 6 de cœur. Ouais, même si je les connais, c'est pas grave, de toute manière. Et valet de carreau. Voilà, donc je les retiens. Valet de carreau, 9 de cœur et 6 de cœur. D'accord. Ces 3 cartes, je vais les mettre ici. Donc, je vais les laisser là. Et maintenant, au fait, qu'est-ce que c'est, à ton avis, les cartes que j'ai mis sur la table? As ou roi. Bien vu, c'est les rois. Les 4 rois. Je vais te les remontrer un par un également et suis bien. Donc, j'ai le roi de trèfle, le roi de carreau, le roi de pique et le dernier, le roi de cœur. Je vais laisser les rois ici égalisés, d'accord? Je vais mélanger mon jeu. Très important. Et je vais couper aussi. Maintenant, on regarde bien. Je vais prendre tes cartes une par une et je vais les perdre dans le jeu. D'abord dans la partie basse des cartes, dans la partie au milieu des cartes et la dernière dans la partie haute des cartes. Okay. Une fois que tout ça s'est perdu, c'est mélangé également. Très important. Et coupé. Et maintenant, on regarde bien, ça va aller très très vite. Je vais laisser les rois juste sur le jeu. Et en une fraction de seconde, et juste en un claquement de doigts, instantanément, il se passe quelque chose de bizarre. C'est qu'il y a 3 cartes qui viennent pile poil s'intercaler entre les 4 rois. Et ce qui est fou, et ce qui serait étonnant, c'est que ça soit tes cartes. Et bien sûr, comme je disais, tout ça entre les rois. Regarde, je vais laisser encore une fois tes 3 cartes ici. Moi, je vais garder les 4 rois. On va recommencer. Je vais en perdre une dans le bas, une à peu près dans le milieu et une dans la partie haute des cartes. Je vais mélanger et couper. Je vais récupérer mes 4 rois. Et ce qui est assez étonnant, c'est qu'en un claquement de doigts, les rois disparaissent pour laisser tout simplement que 3 cartes. Et ce qui est fou, c'est que sur ces 3 cartes, c'est tes 3 cartes. Bien vu. C'est vrai, c'est joli. Joli quand même. Ouais. Beau final, comme tu l'avais dit. Voilà. Oui, c'est un. Je trouve que c'est un collector qui est très très joli et le final est inattendu, puisqu'effectivement, on a une transposition aussi qui se crée et c'est super joli. Voilà. Allez, au prochain tour.